Verse 2. Amen. Romans chapter 12 and verse 2. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. In French, Romans chapter 12, verse 2. Amen, je lis la parole. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Now, moving to Proverbs 19, verse 21. Now, allons à Proverbes 19, verset 21. Proverbs chapter 19, verse 21. There are many plans in the man's heart, nevertheless, the Lord counsels that will stand. Amen. In French. Proverbes chapitre 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Amen. Oh, I just find, je viens de voir quelque chose. I just saw something. Qu'est-ce que ça dit en anglais? What does it say in English? There are many plans in a man's heart. Nevertheless, the Lord's counsel that will stand. Donc c'est le conseil de l'Éternel ou la volonté de Dieu. It's the counsel of the Lord or the will of God. Qui va subsister. That will remain. C'est-à-dire quelles soient les circonstances, c'est ce qui va subsister. It means no matter the circumstances, that's what will stand. Donc si tu es dans la volonté de Dieu. So if you're in the will of God. Si tu es conduit par le conseil. If you follow, if you're led by the counsel of the Lord. Tu ne seras jamais déprouvé. You will never be moved. Bon, maintenant. Dans la version en français. Now, in the French version. In French, Proverbs 19:21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ok. Dit que c'est que la volonté de Dieu qui subsiste. It's the will of God that stands. C'est ça qui doit s'accomplir. That's what has to be accomplished. Quel que soit les projets que tu as. No matter the plans that you have. L'homme peut avoir plusieurs projets. Means man can have many plans. Mais il doit laisser que ce soit la volonté de Dieu qui s'accomplisse. But it has to allow for the will of God to be accomplished. Parce que c'est sa volonté là qui tiendra. Because it's his will that will stand. Mais ses projets, c'est ça, ses projets, c'est pour nous, eux couleront. But his plan can fall. Amen. Amen. Notre Père, notre Dieu, our Father, our God, nous te remercions, we thank you, et nous prions, and we pray, que dans ton amour, that in your love, et par ta puissance, and by your power, ta parole soit libérée, your word be given, pour régénérer, to regenerate, pour délivrer, to deliver, pour guérir, to heal, pour restaurer, to restore, pour édifier, to edify, pour affermir, to strengthen, pour illuminer, to enlighten, pour protéger, to protect, et pour faire prospérer, prosper, au nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus Christ, pour réprimander aussi, to rebuke also, au nom de Jésus, in the name of Jesus. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. You may be seated in the presence of God. Gloire à Dieu. Glory to God. Alléluia. Amen. Bon. Nous sommes, je crois, et je prie que nous finissons le sujet que nous étudions en ce moment. I pray that we complete the subject that we've been studying lately. Le sujet que nous étudions en ce moment, c'est le renouvellement de l'intelligence. The subject that you've been studying is the renewal of the mind. Et la Bible dit, and the Bible says, ne vous conformez pas au siècle présent. Do not be conformed to the present century. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. But be transformed by the renewal of your mind. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. So you may know what is the acceptable will of God. Ce qui est bon, agréable et parfait.
Alléluia. Amen. Which is acceptable and perfect will of God. Alors pour dire que to say that, et ce que nous avons dit, that what we've said, c'est que quand quelqu'un vient à Jésus-Christ, when someone comes to Jesus Christ, Dieu veut le transformer. God wants to transform him. Et sa transformation, and his transformation, vient comes par le renouvellement de son intelligence. By the renewal of his mind. Et nous avons vu, and we've seen, que l'intelligence, that the mind, c'est l'organe dans lequel is the organ in which ses pensées, his thoughts, sa mémoire, his memory, et son raisonnement, and his reasoning. Mais c'est différent, but it's different, de sa faculté d'intelligence. From his faculty of intelligence. La faculté de l'intelligence, the faculty of the intelligence, c'est quelqu'un qui utilise bien sa manière de réfléchir. It's someone who uses well his way of thinking. On dit, ah, cette personne est intelligente. Say, oh, this person is intelligent. Mais c'est pas de ça qu'on parle. But that's not what we're talking about. Mais ce de quoi on parle, what we're talking about, c'est le lieu où il pense. It's the place where he thinks. C'est le lieu où sa mémoire se consomme. Where his memory is consumed. C'est le lieu où il raisonne. The place where he reasons. C'est ça qui doit être renouvelé. This is what has to be renewed. Pour entraîner sa transformation. To lead to his transformation. Alléluia. Donc la volonté de Dieu. So the will of God. La volonté de Dieu, c'est ce the que Dieu veut. The will of God is what God wants. C'est son choix pour toi. Is his choice for you. Il y a sa la volonté pour le monde. There's the will for the world. Mais il y a sa volonté pour toi même. But there's his will for you. Sa volonté pour toi personnellement. His will for you personally. C'est ça la volonté de Dieu. That's what is the c'est will of God. C'est à trois niveaux. It has three levels. On dit ce qui est bon. You say what is good. Ça veut dire d'abord tu es en Christ. It means first you're in Christ. Et ça c'est bon pour Dieu. And that's good for God. Parce que tu es sauvé. Because you're saved. Tu es né de nouveau. You're born again. Mais c'est pas fini. But that's not sa volonté aussi. His will also. C'est que ce soit ce qui est agréable. Is that what is pleasant? Que tu vraiment cherches à faire ce qu'il veut. That you seek to do what you want. Il voit que ça c'est bon, mon fils, il veut faire ce que je veux. And see, this is good, my son. Ma fille cherche à me plaire. My daughter seeks to please me. Mais ça c'est passé, passé. Et souvent il y a des erreurs qui viennent. Often there are mistakes that come. Mais quand même la personne veut. But still the person is willing. Mais on veut encore que la volonté de Dieu, l'un autre niveau, c'est ce qui est parfait. And we also want the will of God is another level. Is c'est what que is tu es perfect. Là où Dieu veut. Is that you are where God wants. Marchant comme Dieu veut. Walking as God wants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc mais on, la Bible dit. The Bible says que il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. In the heart of man, many projects. Mais c'est many le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. But it's the purpose of God that will be accomplished. C'est-à-dire quel que soit tes projets. It means no matter your project. Quel que soit ce comment tu veux, I mean tes plans. No matter your plans. Arrange-toi que ce soit les desseins de Dieu qui s'accomplissent dans ta vie. Manage that is the plan of God, the purpose of God that be accomplished. Mais les desseins de Dieu c'est quoi? But what are the plans of God? Alléluia. Amen. On dit les desseins de Dieu c'est les projets que Dieu a pour toi. It's the project that God has for you. Ce que tu as prévu de réaliser en ce qui te concerne. What God has planned to realize as far as you concerned. C'est ses desseins dans ta vie. It's his purpose in your life. Alléluia. Amen. Sa volonté. His will. Mais la Bible dit discerner la volonté de Dieu. The Bible says discern the will of God. Discerner. Discerning. C'est distinguer. Is distinguish. Quelle est la volonté de Dieu? What is the will of God? C'est au milieu de plusieurs choix. It means among many choices. Tu veux savoir qu'est-ce qui est pour comment Dieu qu'est-ce que Dieu veut? You want to know what God wants. C'est discerner la volonté de Dieu. That's discerning the will of on God. On parle de discerner. We're speaking of discerning. Parce qu'il y a plusieurs choix. Because there are many choices. Et toi, tu dois savoir ce que Dieu veut exactement. And you have to know what God wants exactly. Qu'est-ce qu'il veut que tu prennes? What he wants you to take. Comment il veut que tu marches? How he wants you to walk. Comment il veut que tu te comportes? How he wants you to behave. Comment il veut que tu réagisses? How he wants you to react. Ça, c'est sa volonté. That's his will. Now, on a dit les desseins de Dieu sont les projets. We've said that it's his plans. Oh, il se trouve que quand on parle de la volonté de Dieu, what happens that when we speak of the will of God, aussi de ses desseins, and also of his counsel, c'est bizarre. It's bizarre. Mais l'idée qu'il nous est rapportée, the idea that is given back to us, c'est comme si sa volonté, ses desseins sont à son intérêt lui seul.
is as if his will and his counsel are for his benefit alone. Et ça nous amène à voir Dieu comme quelqu'un d'égocentrique. And it brings you to see God as an egocentric person. Ouais, marcher dans la volonté de Dieu. Or walk in the will of God. On va plaire à Dieu. Or we're going to please God. On dirait que c'est Dieu seul qui a ton profit dans l'affaire. As if it's only God who benefits from that. Frère. Brother, je vais te dire aujourd'hui today, que quand on parle de la volonté de Dieu, when we speak of the will of God, c'est bon pour toi aussi. Good for you, c'est also à ton profit. It's to your benefit. Et c'est utile pour toi. And it's useful for you. C'est ce que nous allons faire. This is what we're going c'est to ce do. Que nous allons montrer. This is what we're going to show. D'abord que la volonté de Dieu est bonne pour toi. First, that the will of God is good for you. Et que ça passe par un processus. And that it goes through a process. Et parler de comment est-ce qu'on doit être renouvelé afin qu'on soit dans cette volonté. And to speak of how we're going to be renewed so that we may be in that will. Et parler de sécuriser le renouvellement de ton intelligence. And speak of securing the renewal of your mind. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bon, écoutez. Listen. J'ai dit, I say, la volonté de Dieu, the will of God, c'est bon pour toi. It's good for you. La volonté de Dieu est bonne pour tout le monde. The will of God is good for everyone. C'est Dieu lui-même. It's God himself. Quand il a créé Adam, when he created Eden, il l'a mis dans le jardin d'Éden. He's put it in the garden of Eden. La Bible dit c'est le jardin des délices. Yes. The Bible says it's the garden of delight. Donc ce que Dieu veut, so what God c'est wants que l'homme prospère. Is that man prospers. Dieu veut ce qui est bon pour toi. God wants what's good for you. Il dit dans Jérémie 29, verset 11. It says in Jeremiah 29, verse 11. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. He says, I know the plans that I have. Il dit, made dit, you. Dit j'ai formé les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. I know the plans that I've made for you, says the Lord. Il dit, ce sont des projets de paix. It says there are projects of peace. Et non de malheur. And not of woes. On dit afin que. So that. Vous ayez de l'avenir. So that you have a bright future. Ou pour vous donner de l'avenir. Or to give you a future. Et de l'espérance. And hope. Donc Dieu a posé le projet de bonheur pour toi. So God has plans of goodness for you. Et il précise que ce n'est pas de malheur. And he specifies that it's not of woes. Pour te donner de l'avenir. To give you a future. Donc Dieu lui-même, il aime ça. So God himself loves it. Salomon lui a demandé l'intelligence. Solomon asked him for intelligence. Et la sagesse. And wisdom. Mais Dieu lui a donné l'intelligence et la sagesse. But God gave him intelligence and wisdom. Mais au-dessus de tout. But above all. Il dit, je vais te donner ce que tu m'as pas demandé. He says, I will give you what you have not asked me. Et il dit, je te donne des richesses. He says, I'll give you wealth. Est-ce que Salomon a demandé richesse? Did Solomon ask for wealth? Dieu aime ça. So God loves it. Donc Dieu, alléluia. Ce que Dieu veut pour toi. So what God wants for mais you. Mais c'est que tu prospères. Is for you to prosper. Il dit, je souhaite. He says, I wish. Bien aimé. Beloved. Que tu prospères à tous égards. That you prosper in all things. Et que tu sois en bonne santé. That you be in good health. Comme prospère l'état de ton âme. As prospers the state of your soul. Donc ce que Dieu veut pour nous. So what God wants for us. C'est ce qui nous arrange. Is what is to our donc, benefit. Dieu veut ce qui est bon pour nous. So God wants what's good for us. C'est Satan qui veut ce qui est mauvais. It's Satan who wants what's bad. La Bible dit le diable vient. The Bible said the devil comes. Dans Jean 10. In John 10. Verset 10. Verse 10. Pour dérober. To steal, pour écorcher, pour détruire. Mais moi, to slain, to destroy, je suis venu afin que les brebis aient la vie. I came so that the sheep have life. Et qu'elles soient dans l'abondance. And that they be in abundance. Ton frère. So brethren, quand Dieu dit sa volonté, when God says his will, c'est pour que tu sois bien. It's for you to be good. C'est pour que tu sois dans le plan pour lequel il t'a créé sur la terre. It's for you to be in the plan for which he created you on earth. Oh, le plan de Dieu pour lequel il t'a créé sur la terre. The plan of God for which he's created you on earth. C'est ce plan-là qui va te profiter. It's that plan that will benefit you. Non seulement maintenant. Not only now. Mais pour aller dans l'éternité. But also to go to eternity. C'est ce que Dieu veut. That's what God wants. Alléluia. Amen. Alors, quand on parle de ses desseins, so when we speak of his purpose, ça se résume. It summarizes ah, d'abord, ta manière de penser d'abord, as your way of thinking first, ta manière de parler, your way of speaking, et ta manière d'agir, and your way of acting. Bon. Okay. Le même Dieu là, the same God, qui dit, il dit, je veux que tu discernes ma volonté, who says, I want you to discern my will, il te met dans un processus, it puts you in a process,
pour t'amener dans ce qui est bon. To bring you to what's good. Prenons Adam. Let's take Adam. Adam n'a pas demandé à être créé. Adam didn't ask to be created. Comme toi, tu n'as pas demandé à être né. As you have not asked to be born. Donc, si tu n'as pas demandé à être né. So if you didn't ask to be born. Dieu ne peut pas te faire naître. God cannot make you be born. Et que tu sois dans la souffrance. And that you be suffering. Non. No. C'est pas Dieu ça. No, that's not God. Regardons Adam. Let's look at Eden. Quand il a créé Adam, when he created Eden, il l'a mis dans le jardin d'Eden. He put him in the garden of Eden. Mais c'est quand Adam a commencé à penser différemment. Yes. It's when Adam started thinking differently. C'est quand Adam a commencé à agir différemment. It's when Adam started acting differently. Il l'a chassé du jardin. That he cast him out of the garden. Vous me comprenez? Do you understand me? Non. Répète à celui qui est prêt. No, repeat it to your neighbor. C'est ce que je dis est vrai là. Et tu as vu dans la Bible. Répète. And that you've seen it in the Bible, so repeat it. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est. Regardez. Look. Donc Dieu a créé Adam. So God created Adam. Et il l'a mis dans la richesse. And he's put him in wealth. C'est Dieu. Dieu aime ça. It means God loves it. Il lui a donné une manière de penser. He gave him a way of thinking. Il lui a donné une manière d'agir. And he gave him a way of acting. Mais aussitôt. But immediately. Satan est venu. Satan came. Me comprenez? Do you understand me? Satan est venu. Satan came. Quand Satan est venu, when Satan came, ça a changé la manière de penser d'Adam. It changed the way of thinking of Adam. Et de sa femme. And his wife. Je ne veux pas entrer dans ça là. I don't want to enter into that. Me comprenez? Do you understand me? Et où ils se sont retrouvés? And where did it end up? Chassé de la bénédiction que Dieu leur a donnée. Casted out of the blessing that God had given them. Chassé de la manière de vivre que Dieu leur a donnée. Dieu les a chassés. Casted out of the way of living that God has given us. From there, we can take out a principle. Un principe qui est que Dieu veut que tu prospères. A principle that is that God wants you to prosper. Et pour ça, and for that, il t'a déjà donné une manière de penser. He's already given you a way of thinking. Manière d'agir. A way of acting. Manière de parler. A way of speaking. Mais il y a le diable qui ne veut pas ça. But it's the devil who doesn't love that. Mais il va pas te dire le coup. Il va pas te dire, hey, quittons là, allons là-bas. He won't tell you, oh, let's leave here and go there. Mais ce qu'il va faire. But what he will do. Ce qu'il va faire. What he will do. C'est chercher à mettre le doute en toi. Is to try and put doubt inside of you. Sur la manière dont Dieu veut que tu penses. On the way God wants you to think. Sur la manière dont Dieu veut que tu agisses. On the way God wants you to act. Et c'est ce qui l'a mené. And that's what sent him. Maintenant à marcher contrairement à ce que Dieu veut. Now to walk contrary to the way God wants. Donc Dieu l'a enlevé de là. So God took him out of there. Est-ce que vous comprenez? Do you understand me? Pourtant il était dans la bénédiction et la réussite selon Dieu. Though he was in the blessing and in success according to God. Et Satan maintenant veut lui montrer non la réussite selon lui Satan. And Satan now wanted to show him success according to him Satan. Or il y a trois sources de réussite. Though there are two sources of success. Trois sources de richesse, je ne veux pas dire réussite. Three sources of wealth. Il y a Dieu qui te donne la richesse. There's God who gives you wealth. Il y a richesse que l'homme même te donne. There's wealth that man himself gives you. Ou que tu acquiers humainement. Or that you acquire humanly. Et puis il y a richesse que Satan te donne. And there's wealth that Satan gives you. Richesse que toi tu acquiers. Wealth that you acquire. C'est ce qui est normal. Is what's normal. Ça veut dire. It means celui qui sème, il récolte. He who reaps. So, celui qui travaille, il mérite le salaire de son travail. He who works deserves the salary of his work. Donc s'il travaille, so if he works, et puis on lui donne son salaire, and they give him his salary, il ne peut pas dire c'est Dieu qui m'a béni. He can't say it's God who blessed me. Non, même si un païen travaille, il aura le même salaire. Even if an unbeliever works, he will still have the same salary. Est-ce que vous comprenez? Do you understand me? S'il a payé un bateau, if he bought a boat, à crédit, with credit, il ne peut pas dire Dieu m'a béni. Regardez, he can't say God has blessed me. Non, look, un païen peut faire sa même chose. A pagan can do the same thing. Vous me comprenez? Amen. Ça c'est richesse selon les hommes. This is wealth according to man. Now, maintenant, il y a richesse que Satan te donne. There's non, wealth. Pardon, richesse selon les hommes là. Wealth according to man. Ça peut disparaître du jour au lendemain. It can disappear from one day to the other. Ça peut créer des problèmes du jour au lendemain. It can create problems
from one day to another. And his wife that's hitting gifts. For that you don't have to work too much. But when he gives you that, is to take his soul. Do you understand? Il te donne ça, ça va détourner ton âme. It gives you that. It's going to detour your soul. Il te met dans le compromis. It puts you in compromise. Ça va te détourner de la vie éternelle. It's going to detour you from eternal life. Ça va garantir que tu vas directement en fait. It's going to guarantee that you go directly to hell. Même pour revenir en arrière, ça sera difficile. Even to come back, it's going to be difficult. Les gens qui sont enfermés dans les sociétés secrètes, people who are deeply enrooted in secret societies, let's pray for them. Often they cannot come out. There's some people who've done covenant with the devil. They want to come back, but they can't. Ça, là, c'est ce que Satan donne. That's what Satan gives. Il y a ce que Dieu donne. And it's what God gives. La bénédiction de l'Éternel. The Bible says the blessing of the Lord ne sont pas suivis de chagrin. Are not followed by wounds. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas persévérer dedans. It doesn't mean that you will not persevere. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des épreuves là-dedans. It doesn't mean that you won't have trials in it. Mais ça ne sera pas suivi de chagrin. But it won't be followed by sorrow. Alléluia. Amen. Bon, maintenant. Now, quand Satan envoyait l'humanité dans le péché originel. When Satan sent humanity in the original sin, il a corrompu la manière de penser. It corrupted the way of thinking. Il a corrompu la manière de penser. It corrupted the way of thinking. Ça a changé la manière d'agir. It changed the way of acting. Et ça a changé la manière de parler. And it changed the way of speaking. Ça c'est une des raisons pour laquelle Dieu a détruit la terre par le déluge. This is one of the reasons why God destroyed the earth with the flood. Vous vous rappelez de ça? Do you remember that? Parce que les pensées des êtres humains allaient continuellement mal. Because the thoughts of human beings were continuously going towards bad. Une des raisons pour laquelle Sodome et Gomorrah étaient détruites aussi. One of the reasons why Sodom and Gomorrah were also destroyed. La Bible dit Lot qui vivait au milieu d'eux. The Bible says Lot that was living among them. Il était tourmenté journellement parce qu'il entendait ce qu'il voyait de leurs actes criminels. Was John daily tormented by the actions from what he was seeing and hearing daily. Parce que le diable a corrompu leur manière de penser. Because the devil corrupted their way of thinking. Donc voilà pourquoi. This is why. Quand quelqu'un revient à Dieu. When someone comes back to God. Dieu veut qu'il soit transformé. God wants him to be transformed. Ça commence par renouveler la manière dont il pense déjà. It starts by renewing the way he thinks already. Pour changer sa manière de parler. To change his way of speaking. Sa manière d'agir. His way of acting. Afin de vivre dans la volonté de Dieu. So he may live in the will of God. Est-ce que vous comprenez? Do you understand me? Est-ce que vous comprenez? Do you understand bon. Me? Bon. Avançons. Let's move forward. Vous voyez, quand quelqu'un vient à Christ. You see, when someone comes to Christ. Il est né de nouveau. He's born again. Mais c'est pas fini. But that's not the end. Son âme a besoin d'être sauvée. His soul needs to be saved. L'âme n'est pas automatiquement sauvée. The soul is not automatically saved. La Bible dit. The Bible says. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 2. In 1 Peter chapter 2 verse 2. On dit désirer le lait. Bon, il y a plusieurs versions. Le lait non frelaté, bien le lait spirituel et pur de la parole par lequel vous croîtriez pour le salut. This is desire the milk. Not corrupted, through which you would grow for your salvation. C'est des gens qui étaient déjà sauvés. It's to people that were already saved that they were speaking to. On dit qu'ils puissent désirer la parole de Dieu. But they say they have to desire the word of God. Qu'ils grandissent pour le salut. For them to grow for salvation. De quel salut on parle? What salvation are they speaking about? Le salut de leur âme. The salvation of their soul. De leur vie aussi. Even about their lives also. Parce que le salut là. Because salvation. C'est dynamique. Is dynamic. Tu es né de nouveau. You're born again. Mais tu peux vivre dans des liens. But you can be living in time. Tu es né de nouveau. You're born again. Mais tu peux vivre dans la maladie. You can be living in sickness. Tu es né de nouveau. You're born again. Mais tu peux vivre dans la méchanceté. You can be living in wickedness. Tu peux être né de nouveau. You can be born again. Et vivre dans la fausseté. And live in false. Et ça là. Fakely. Quand la trompette sonne, tu ne vas pas. When the trumpet sounds, you don't go. Tu peux être né de nouveau. You can be born et again. Et vivre dans le mensonge. And live in lies. Quel que soit le temps que tu as passé dans l'église. No matter the time you spent in the church. Ce n'est pas le temps qui fait le caractère chrétien. It's not the amount of time that shows your Christian character. Alléluia. Amen. Donc, voilà pourquoi. This is why. La Bible dit d'être
d'être désiré. The Bible says you have to desire. Pour que la parole de Dieu so that the word of God puisse t'amener à être sauvé dans l'âme. Sends you to be saved in your soul. Tu es pourtant né de nouveau. Though you're born again. La Bible dit aussi. The Bible also says. Dans Jacques 1, 21, 21. In James 1, 21. Ça c'est des gens qui sont déjà sauvés. Those are people who are already saved. On dit rejeter. Reject. C'est pourquoi rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté. Ah, pourtant c'est des gens qui il est déjà sauvé. Those are people who are already saved. À des gens qui sont sauvés. To people who are saved. On leur dit de rejeter toute souillure. They were told to reject all et tout débordement de méchanceté. And overflow of wickedness. Et de recevoir avec douceur. And receive with meekness. Ça veut dire avec humilité. It means with humbleness. La parole de qui était planté en vous, the implanted word, et qui peut sauver vos âmes, and which can save your souls. Pourtant, ils étaient déjà sauvés, though they were already saved. Mais de nouveau, born again. Mais il y avait la méchanceté dans leur cœur. But there was wickedness in their hearts. Il faut avoir la souillure dans leur vie. There could be filthiness in their mais life. Mais the Bible says, rejetez ça là. Bible says, reject et that. Puis, reçois avec humilité. And receive with humbleness. La parole. The word. Qui quand ça sera planté en toi. Which one will be rooted in you. Ça pourra sauver ton âme. Will be able to save your soul. Ta manière de penser. Your way of thinking. Ta volonté. Your will. Et tes émotions. And your emotions. Ça pourra transformer ça. It can transform. Le salut de l'âme c'est progressif. The salvation of the soul is progressive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Bon, vous voyez? You see? C'est quand tu es dans le dessein de Dieu. It's when you're in the purpose of God. Que les choses fonctionnent. That things work. Voilà pourquoi la Bible dit. This is why the Bible says. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On s'arrête pas là. All works to the good of those who love God. On s'arrête pas là. We don't stop there. On dit et qui sont appelés selon son dessein. And who are called according to his purpose. Tout va concourir à ton bien. Everything will work for your good. Amen. La condition que tu aimes Dieu, première condition. First condition that you love God. Et de deux. Secondly. Que tu sois en train de gestion là où il veut que tu sois. And that you be where he wants you to be. Et tu agisses comme il veut que tu agisses. And that you act as he wants you to act. Donc quelqu'un peut dire j'aime Dieu. So someone may say I love God. Si tu n'es pas dans ses desseins. But if you're not in his purpose. Il y aura catastrophe. There will be catastrophe on you. Et quand tu vas voir un peu seulement. And you, when you will have a little bit. Dieu m'a béni. You will say God has blessed. C'est pas Dieu. It's not God. Non. No. Non, 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 c'est pas Dieu. No, it's not God. Ça veut pas dire c'est mauvais. It doesn't mean that it's bad. Tu t'es débrouillé pour avoir. You managed to have it. Est-ce que tu me comprends? Do you understand me? Écoute, je peux parler de ces choses-là. Listen, may I speak of these things? C'est important. It's important. Alléluia. Amen. Donc tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. So everything works to the good of those who love God. De ceux qui sont appelés selon ses desseins. Of those who are called according to his purpose. Donc quand on est renouvelé. So when you renewed. C'est par la parole de Dieu. It's by the word of God. Donc le renouvellement de l'intelligence. So the renewal of the mind. C'est fait par la parole que tu recueilles à l'église. It's done through the word that you're gathering in church. Ce qu'on prêche. What is being preached. Ce qu'on enseigne. What is being taught. Ce qui t'a exhorté. What exhorted you. C'est comme ça. It's que ta manière de penser commence à changer. Your way of thinking starts changing. Que ta manière de voir commence à changer. That your way of seeing starts to que change. Que ta manière de raisonner commence à changer. That your way of reasoning starts to change. C'est là que tu peux savoir à quel voilà le dessein de Dieu. This is how you may know what is the purpose of God. Alléluia. Et ça va t'arranger. And it will work for you. Ce sera bon pour toi. It will be good for you. Les circonstances vont concourir à ils vont concourir à ton bien. The circumstances will concur to your good. Dans son dessein. In his purpose. Bon, prenons Esaïe 55. Let's take Isaiah 55. Comment se fait le renouvellement de l'intelligence? How is being done the renewal of the mind? Esaïe 55. Isaiah 55. Versets 10 et 11. Verse 10 and 11. Esaïe 55. Isaiah 55. Check ça avec ta Bible. Check it with the Bible. Vérifie à toi-même si tu parles par la parole de Dieu. Je vais le lire rapidement. Esaïe 55. Esaïe 55. Est-ce qu'on est là? Are we there? On est là, hein? Comme la pluie et
et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Amen. Sans avoir exécuté ma volonté d'abord et accompli mes desseins. Amen. Ça veut dire quand la parole est prêchée. It means when the word is preached. Ça ne retourne jamais à Dieu sans effet. It does not go back to God without work. Si tu prends cette parole, if you take this word, ça va te mettre dans la volonté de Dieu. It will put you in the will of God. Et Dieu va accomplir ses desseins. And God will accomplish His purpose. Dieu a un projet pour toi. God has a project for you. Il a des desseins pour toi. He has purposes for you. Il a le plan pour lequel tu es né sur la terre. He has a plan for which you were born on earth. C'est un plan de succès. It's a plan of success. C'est un bon projet. It's a good plan. C'est mieux pour toi. It's better for you. Que ce que nous-mêmes on peut choisir. Better than what we ourselves may choose. Je vais prendre le cas de Joseph. I will take the case of Joseph. Bon. On va le tableau. Amen. Qui se rappelle de l'histoire de Joseph? Who remembers the story of Joseph? Je vais expliquer l'histoire de Joseph. Should I explain the story of Joseph? It will take time. Bon. Qui ne se rappelle pas de l'histoire de Joseph? Who doesn't remember the story of Joseph? Donc, tout le monde se rappelle de l'histoire de Joseph. So everybody remembers the story of Joseph. Bon, ou tu as vu peut-être un film. Or you've probably seen a movie. D'accord. Okay. Amen. Amen. Bon. Now. Maintenant. Ça c'est un axe. Pardon, c'est un axe pour. Mais qui voyons-le comme un panneau. Je vais le faire de manière panoramique. I will do it in a panoramic way. Et en montrant le temps et l'espace dans lesquels nous sommes. The time and the space in which we are. Pas nous en tant que tel. Not us as such, but Joseph. Donc Joseph, il est né, il a grandi sur la terre de la Palestine, le Canaan. Joseph was born on the land of Palestine. Qui était son père? Who was his father? Jacob. Jacob. Ok, now. Maintenant. Et ça, on parle de Joseph. And we're speaking of Joseph. Bon. À un certain moment, at a certain moment, ses frères, his brothers, l'ont jeté dans un puits. Threw him in a well. Il y a une raison. There's a reason. Il a été récupéré par des marchands. He was taken by sellers, merchants. Qui l'ont vendu quelque part à des marchands, d'autres marchands d'esclaves. Who sold him somewhere to merchants of slaves. Et ceux-là ont transité par l'Égypte. And those transited through Egypt. Et à l'Égypte, on l'a vendu sur le marché d'esclaves. And in Egypt, he was sold on the market of slaves. Et il a été acquis. And he was acquired par Potiphar. By Potiphar. Qui était le chef de la protection de la sécurité du palais pharaonique. Who was the chief of the security of Pharaoh's palace? Donc il travaillait maintenant. So he was working now. Dans la maison de Potiphar. In the house of Potiphar. Et il y a eu un incident. And there was an incident. Et on l'a mis dans une prison, mais la prison royale. He was put in a prison, but a royal prison. C'est pas n'importe quelle prison. It's not just any kind of prison. Comme Potiphar travaillait au palais. Since Potiphar was working at the palace, il a mis Joseph dans une prison. He's put Joseph in a prison. Dans laquelle on avait mis aussi. In which there were also le goûteur et le boulanger de Pharaon. The baker and the taster.
of Pharaoh. Et il s'est retrouvé and he found himself au palais pharaonique. At Pharaoh's palace. Mais cette fois, devant Pharaon. In front of Pharaoh. Et ensuite, and then, Joseph a commencé Joseph à diriger toute l'Égypte. Became, started leading the entire il est devenu très riche. He became very rich. Et sa famille and his family est venue lui rendre visite. Came to visit him. Donc à cause et par sa richesse, because of his wealth, il a pu sauver toute sa famille. He was able to save his entire family. De la famine qui a frappé l'Égypte pendant des années. From famine that struck Egypt for years. Amen. 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 Bon. Maintenant. Now. Je prends l'exemple de Joseph, I take the example of Joseph pour montrer aussi le renouvellement de l'intelligence show the renewal of the mind, et surtout les desseins de l'Éternel. And also the purpose of the Lord. Ok. Joseph, Joseph son habitude, his habit, il avait, en fait, il avait reçu d'abord un. First, il était enseigné par son père. He was taught by his father. Est-ce que vous me comprenez? Do you understand me? Et il a gardé l'enseignement de son père. And he kept the teachings of his father. C'est à cause de l'enseignement. It's because of the teachings. À cause de sa manière de penser. Because of his way of thinking. Que lorsque la femme de Potiphar a failli le séduire. That when the wife of Potiphar wanted to seduce him. Il a résisté. He resisted. Est-ce que vous me comprenez? Do you understand me? Oh, la femme de Potiphar ne t'amuse pas avec elle. No, the femme of the wife of Potiphar, don't play with her. Ouais, c'était brouillé là-bas. He could have managed depuis it. Rester calme dans le palais là. And stay quiet in au lieu the d'aller en prison. Instead of going to prison. Amen. Amen. Je dis amen. I say amen. Bon. Donc il était renouvelé dans son intelligence. So he was renewed in his mind. Il suivait l'enseignement de son père. He was following the teachings of his father. Il avait une autre habitude aussi. He had another habit too. Quand il voit ses frères, il a fait quelque chose de mal. When he sees his brothers doing something bad, il va raconter à son papa. He goes to tell his father. Tout ce qui se passe dans la maison. Everything that happens in the house. Il dit à son papa. He tells his father. Et les gens l'aimaient pas. And people didn't like him. On l'aimait pas. Hein? He wasn't liked. Alléluia. C'est comme ça qu'il était. That's how it was. J'ai dit c'est comme ça qu'il était. I said that's how it was. Ça veut dire. It means. Si il y a des choses qui se passent, tu viens dire au pasteur, tu n'as pas péché, attention. If there's some things that happen and you come and tell the pastor, you didn't sin, you're like Joseph. Je vous dis une chose. I'm going to tell you. Si Joseph ne racontait pas les choses, if Joseph was not saying the things que ses frères faisaient, his brothers were doing, à son papa, to his father, ses frères allaient d'accord avec lui. His brothers were going to agree with him. On n'allait pas le jeter dans tout. He wouldn't have been thrown in a well. Il n'allait pas se retrouver en Égypte ici. He would not find himself in Egypt here. Je dis, je parle des desseins de l'Éternel. I say, I'm speaking of the purpose of the Lord. Est-ce que tu me comprends? Do you understand me? Tu me comprends? Do you understand me? Bon, ce qu'il faisait là. What he was doing. Ce n'était pas un péché. It wasn't a sin. Il n'aimait pas le compromis. He didn't like compromise. Il n'aimait pas les trucs comme ça. He didn't like things like that. Quand il voit, il dit à papa. When he says, he sees, he says to his father. Est-ce que c'est clair? Is that clear? Donc les frères l'aimaient pas. So his brothers didn't like him. Et puis il aimait, c'est les promesses que Dieu lui a fait. And those are promises that God has given to him. Donc il disait à tout le monde. So he was saying it to everybody. Il dit, Dieu va me lever. He said, God is going to me. On est en foi là-bas. And they said, oh, go are you there? Il dit, j'ai dit, Dieu va me lever. He says, God is going on to me. On dit, tu n'es rien, tu comprends rien. You are nothing. And toujours, Dieu va me lever. Every day, God is going to elevate me. Donc quand il dit, on dit, il y a lui là. So when he comes, they say, look at him. Le rêveur là. This dreamer. On dit à celui qui a pris le temps, tu es libre de rêver. Tell the neighbor, you're free to dream. J'ai dit, tu dois rêver. I say, you have to dream. J'ai dit tu dois rêver. You have to dream. Bon, écoutez. Listen. J'ai dit quand on dit la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. The Bible says everything works to the good of those who love God. Si les frères là n'étaient pas contre lui. If the brothers were not against him. Il n'allait pas être en Égypte. He wouldn't have been in Egypt. S'il n'était pas en Égypte. If he wasn't in Egypt. Les frères là même seraient menacés de famine. The brothers themselves. Toute la famille. With famine. Allez the entire Égypte. Family was going to die. Amen. Donc, so, avoir des petites incompréhensions là. So having little incompréhension. Tant que tu es dans la volonté de Dieu. As long as you're in the will of God. C'est pas un problème. It's not a problem. Dis à celui qui est près de toi. Tell your neighbor. C'est pas ça un problème. That's not a problem. Ça peut pas changer ce que Dieu a prévu pour toi. That cannot change what God has planned for you.
Personne ne peut changer ce que Dieu a prévu. No one can change what God has planned for you. J'ai dit. I say. Si il dit. If he says. Mais papa, moi je vais plus dire. Daddy, I'm no longer. Je vais plus dire ce que les gens là, je les vois faire. Je vais plus dire aux vieux. I'm not going to be a teller. Parce qu'il y a des chrétiens qui font ça. Because there's some Christians who do that. Je ne veux pas de problème. I don't want any problems. Il n'aura pas de problème. There won't be any problem. Et stop. Il n'aurait pas eu problème de tomber dans tout. He wouldn't have a problem to fall in. Il n'aurait pas rencontré des gens qui allaient le retirer de tout pour aller les vendre. He wouldn't have found people who would take him out of the well to sell him. On n'aurait pas appris comme esclave pour l'envoyer acheté par Potiphar. To be bought by Potiphar. Il ne serait pas dans la maison de Potiphar. He wouldn't have been in the house of Potiphar. Il n'aurait pas eu d'autres problèmes avec la femme de Potiphar. He wouldn't have any problem with the wife of Potiphar. Il ne serait pas arrivé dans la prison. He wouldn't have ended up in prison. Où son ticket l'attendait pour aller au palais. Where he was waiting for him to go to the palace. Frère, brethren, vous voyez ça? You see that? La Bible dit tout concourt. The Bible says everything works. Au bien de ceux qui aiment Dieu. To the good. C'est pas fini. Those who love God, but that's not the end. Qui sont appelés selon la destinée de Dieu l'Éternel. But who are called according to the purpose of the Lord. Jésus là. Jesus. Ils sont venus l'attraper. They came to catch him. On l'a crucifié. He was crucified. C'était mauvais. It was bad. C'était mauvais. It was bad. Mais il n'a pas discuté. But he didn't argue. Il ne s'est pas fini. Quelqu'un le voulait le sauver. Someone even wanted to save him. Son disciple a levé machette. His disciple came with a machete. Il dit non. He says no. Je t'avais déjà enseigné ça. I already told you that. Mais le gars n'a pas accepté l'enseignement. But the guy didn't accept the teaching. Il dit non, moi j'ai fait selon moi. He says no, I'm going to do according to. Si son disciple avait fait fuir les gens là. If the disciple had made those people run away, tu ne serais pas là aujourd'hui. You wouldn't be here today. Dessein de l'Éternel. Purpose of the Lord. Bon. Okay. Il n'a pas cherché à s'entendre l'espèce. He didn't see. Quand tu fais mal. Along. Because when you do bad, on ne doit pas s'entendre avec toi. They shouldn't agree with you. C'est pas péché. It's not a sin. Si tu veux t'entendre avec quelqu'un qui fait mal. If you want to be in accord with someone who does bad, tu n'aimes pas avoir de problème, so you won't have any problem, tu deviens hypocrite. You become a hypocrite. Et tu es dans le compromis. And you are in compromise. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis? Do you agree with what I'm saying? Est-ce que c'est biblique? Is that biblical? C'est biblique? Is that biblical? Ok. Si c'est biblique, ne te fâche pas. If it's biblical, do not be angry. Accepte ça. Accept it. Est-ce que ce que je dis est vrai? Is what I'm saying true? Now. Maintenant. Et ça, le fait qu'il ne s'est pas attendu là. The fact that he didn't get along. Ça n'a pas changé son. It didn't change his discipleship. Il a eu moins de camarades. He had less friends. Un peu plus de critiques. A little more gossips. Un peu plus de critiques. A little more gossip. Qu'est-ce que le temps on les critiquait dans la maison? It was criticized in the house. Mais c'est pas un problème. Si on te critique, ça c'est un problème. Tant que ton dessin. But that's not a problem. Le dessin est dans les hommes. If they criticize you, is that on a fini de le critiquer, mais on l'a rattrapé. Now, after that, it was caught. Toi, on ne peut pas t'attraper aux États-Unis. You can't be caught in the United States. Donc, tu es un peu. Amen. On l'a frappé, on l'a jeté dans tout. He was beaten and thrown in a hole. Frère. Brother. Je dis, quand tu es dans le dessein de Dieu. I say, when you're in the purpose of God. Que ce soit tout. Being in a hole. Que on te mette en haut. Whether they put you on top, où que ce soit où tu descends, wherever it be, ça ne change pas. It doesn't change. Ça va pas changer. It will not change. Les gens, écoutez. Listen. Comment on peut aller chercher quelqu'un dans un trou? How can you go and find someone in a hole and go to sell him? Comprenez? Do you understand me? Où que tu sois. Wherever you are. Dans n'importe quelle situation. Wherever you may be, in any situation you may be. Dieu va envoyer quelqu'un pour t'aider. God will send someone to find you there. Tant que tu es, tu veux être dans le dessein de Dieu. As long as you want to be in the purpose of God. Dieu va envoyer quelqu'un pour te retrouver. God will send someone to find you. On l'a vendu. It was sold. Il pourrait dire non, je vais aller me venger. He could have said, no, I'm going to avenge myself. Mais s'il allait se venger, if he was going to avenge himself, dans la chronologie du temps, in the chronology of time, s'il venait se venger, if he was coming to avenge himself,
la chose que Dieu a mis. Parce que Dieu. The thing that God has placed. Dieu est là. Because God is there. Il est en dehors du temps. He's outside of time. Il regarde ça de manière. He just watches it. Panoramique. In a panoramic manner. Il a placé des choses. He's placed things. Et la Bible a dit. And the Bible says. Quand les frères de Joseph sont arrivés. When the brothers of Joseph came, il dit, ça là, ça s'est passé pour que je vienne. He said, this Amen. For me to come et que je puisse sécuriser la famille. And to secure the family. Vous m'avez fait du mal. You've done bad to me. Mais Dieu a pris ça pour me bénir. But God has taken it to bless me. Pour vous bénir aussi. To bless you also. Donc Dieu en haut là-bas. So God is up there. Et toi, et Dieu a déjà dit. And God has already said. Ne te venge pas toi. Do not avenge yourself. Mais la vengeance c'est à moi. But vengeance is mine. Donc s'il dit moi je vais venir, mais d'abord je vais parler aux ses frères, ils vont comprendre. So if he was saying I'm going to speak to my brothers, they'll understand. Qu'est-ce qu'il a? Il a loupé le rendez-vous. What was he gonna have? What was gonna happen? He was going to miss the appointment of these people there. Parce que c'est le temps, frère. Because it's time, brothers. C'est une chronologie que Dieu a il a synchronisé. And it's a chronology that God has synchronized. Il allait louper les vendeurs Potiphar. C'est pas toujours Potiphar va au palais au marché. It's not every day that Potiphar goes to the market to buy a slave. It's not every day. Je dis c'est pas toujours. I say it's not every day. Je dis c'est pas toujours. Est-ce que tu me comprends? Do you understand? C'est une fois en passant. It's once in a while. Quand Dieu doit ajuster les choses bien, il doit bien balancer les circonstances. He has to balance circumstances well. On parle de Dieu. I say we're speaking of God. La Bible dit il est le maître des temps. The Bible says he's the master of times and circumstances. Donc toi où tu es là. So where you are. Ta vie est déjà soudée. Your life is already secure. Donc laisse-toi faire par la parole. So let yourself be done by the word. Chaque passe ici là. So that when they say. Ça c'est un carrefour et une bénédiction. This is a corner where there's a blessing. Tu passes là un carrefour, ça t'attend aussi. When you get here. Tu passes là un carrefour, ça t'attend. It's an intersection. Well, it's waiting for you. Mais là, t'es carrefour là. Nah, your intersection. C'est pas toujours que c'est content. It's not every day that is happy, happy. Souvent tu peux pleurer. Often you may cry. Mais attention, je dis. But be careful. Ne regarde pas ça. Do not look at that. Ne regarde pas le trou là. Do not look at the hole. Il est un peu blessé. It was a little hurt. Look. Mais c'est pas grave, je sais où je vais. But that's okay. I know where I'm heading. Bon, écoutez. Quelqu'un dit bon, toi. Someone says you. Je t'enlève du trou. I'm taking you out of the hole. Ou bien, disons que. Joseph connaît déjà. Or let's say that Joseph knows already. On dit allons rétroactivement dans le temps. Let's go retroactive. On le prend avec rewind. And he's taken and they say rewind. Rewind. Et puis il arrive ici. And he gets there. Et puis les frères là. And the brothers. Le prennent en réunion. Take him in a meeting. On dit Joseph. And they say, oh Joseph. On avait voulu te frapper. We wanted to beat you. Et te jeter dehors. And throw you in a hole. Mais But we repented, we changed our minds. Qu'est-ce que Joseph a dit? What was Joseph going to say? Il va dire quoi? What would he say? Il va dire quoi? What would he say? Ne me faites pas ça. Don't do that to me. Je n'aime pas ce que vous faites. I don't like what you're doing. Qu'est-ce que tu me dis? And they would say, what you faites de ville, mettez-moi dans tout, please. Put me in a hole, please. Then they would say, why? We don't want on a changé. We've changed. Il m'a dit, fais attention. Et si, be careful. Vous voulez détruire ma vie. You want to destroy my life. Il dit, continuez. He said, continue. Le mets dans tout ici. Put me in the hole. Et puis on l'a envoyé ici. And then they send him here. Et puis on l'a envoyé à l'esclavage. And then they send him to slavery here. Est-ce que vous me comprenez? Do you understand me? Donc, voilà dans la maison là. Now in the house. On a menti sur lui. They lied on him. Il n'a pas eu l'occasion de se défendre. He didn't have the opportunity to defend on himself. A même pas écouté, on a mis en prison. They didn't listen to him. They put him in jail. Tiens, celui qui prend, on n'a pas besoin de t'écouter. Tell your neighbor, they don't have to listen to you. Tant que l'Éternel contrôle. As long as the Lord. Tant que Jésus-Christ contrôle. As long as Jesus Christ is in charge. Mais tu vas dire quoi même? What will you say? Je dis celui qui est là. I say he who is there. Il n'a encore rien dit. Toi, tu vas dire quoi? He hasn't said anything yet. What are you going to say? La Bible dit, je suis ta justice. The Bible says, I'm your righteousness. Tu es dans les desseins de l'Éternel. You are in the purpose of the Lord. En prison. So he was put in prison. On le met en prison. While they put him in prison. Tout concours au bien de ceux qui ont Dieu et qui sont appelés selon son dessein. And who are called according to his purpose.
On ne peut jamais faire du mal à un chrétien qui n'a rien fait et qui fait ce que Dieu fait. Jamais. Le mal que tu as lui fait là, tu vas transformer ça. The bad that you're going to do to me, God is going to transform that into good. Donc écoute, faut prendre ça pour toi. You have to take it for yourself. Donc quand il y a des problèmes, so when there are problems, c'est pas problème. There's no problem. Fais tout pour traverser ce moment là, c'est bon. Do all to pass this time. Bon. Non, en prison là. Now in prison. Et puis ici. And here. Joseph était un homme très joyeux. Joseph was a very joyful man. On peut dire ça aussi. Amen. Maybe say that too. C'est un homme qui se focalisait sur la destinée. It is a man who was focusing on voilà, destiny. Voilà pourquoi ça fatiguait les gens. This is why he was bothering people. Voilà ce que je serai. This is what I will be. Voilà ce que Dieu a dit pour moi. Here is what God has said for me. Voilà ce que Dieu a dit pour moi. This is what God has said for me. Et puis il était toujours content. He was always happy. Voilà pourquoi quand les gens autour de lui sont fâchés, il dit mais. This is why when people around him are angry, he say, why are you hungry? Angry. Why do you get angry? Parce que s'il était dans les plaintes. Because if he was into complaints. L'esprit ne lui aurait pas donné le don. The spirit wouldn't have given him the gift. Par lequel il a interprété les songes des gens. Through which he has interpreted the dreams of those people. Il y a des dons que tu as mis en toi. There's some gift that God has put in you. Qui vont avec ta destinée. That go with your destiny. Mais si tu es dans la colère. But if you're in anger. Tu as la vengeance. You have vengeance. Dans les plaintes. You're in complaint. Le don là va pas marcher. That gift is not going to work. Tu vas retarder ta destinée. You will delay your destiny. Je t'en prie. I beg of you. Dieu a mis ça pour toi. God has put it for you. Ça marche avec ta bonne humeur. It works with your good ça mood. Ça marche avec les fruits de l'esprit. It works with the fruits of the spirit. Les fruits de l'esprit sont quoi? What are the fruits of the spirit? L'amour. Love. La joie. Joy. La paix. Peace. La quoi encore? La patience. La quoi encore? La persévérance. La persévérance. Non, la persévérance dedans. La bonté. Kindness. Quoi encore? La douceur. La bienveillance. Quoi encore? La douceur. La douceur. Quoi encore? La maîtrise de soi. Ça c'est le dernier. La foi. Faith. Voilà. Self-control. Voilà. Voilà l'environnement dans lequel le Saint-Esprit marche. This is the environment in which the Holy Spirit works. Et il y a des anges autour de toi. And there are angels around you. Que Dieu a mis pour t'envoyer là où tu dois être. That God has put to send you where you're supposed to be. Dieu est bon pour toi. God is good for you. Et Joseph est arrivé là. And Joseph ended up there. Toi aussi tu arriveras là où you too, you will end up where God wants you to be. Voilà pourquoi. This is why. Tu vas pas négliger le renouvellement de ton intelligence. You will not neglect the renewal of your mind. Voilà pourquoi. This is why. Tu vas comprendre quand Dieu te dit. You will understand change ta manière when de God voir. Tells you change your way of seeing things. C'est pas pour que ça lui plaise moi. It's not so that it pleases him. C'est pour te profiter. It's to benefit yourself. Bon, now, quand tu es en train de renouveler ton intelligence. When you're renewing your mind. Il faut sécuriser ça. You have to secure it. Parce que Satan veut pas que ton manière de penser change. Because Satan doesn't want for your way of thinking to change. Et ça on se comprend. Do we understand each other? Je dis Satan veut pas que ta manière de penser change. See, Satan doesn't want for your way of thinking to change. Mais il sait que si tu commences à changer de pensée. Because if he knows that if you start changing the way you think. Tu vas changer de manière de voir. You will change your way of seeing. Tu vas changer de manière d'agir. You will change your way of acting. Et tu vas apprendre à vivre dans la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. And you will learn to live in the blessing that God has planned for you. Est-ce que vous comprenez? Do you understand me? Bon, now. Maintenant. Now. Une personne qui essaie de renouveler son intelligence, Satan va contre lui. One person who tries to renew his mind, Satan goes against him. Voilà quoi la Bible dit. This is why the Bible says que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles. That the weapons with which we're fighting are not carnal. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. But they're mighty by the power of God. Pour renverser des forteresses. To overthrow fortresses. Le mot forteresse. The word fortress. Manière de penser du conception là. It's the way of thinking. Tu dis non, c'est pas comme ça. You're being told and you say no, it's not like that. On te dit là, tu dis non, mais pourquoi ça? You're being told and you say why like that? Mais on dit la Bible dit mais tu dis quoi? The Bible says and you say oh I myself I say. Ça c'est pas Dieu ça. That's not God. Dieu met pas forteresse dans ta tête. God doesn't put fortress in your head. Même Dieu. Even God.
il permet que la vérité soit testée. It allows for the truth to be tested. Quand Dieu te dit quelque chose, when God tells you something, il va te dire vérifie. It will tell you verify. Mais quand Satan te dit quelque chose, but when Satan tells you something, il va te donner une résistance. He will give you resistance. Tu dis je veux pas entendre autre chose. You say I don't want to hear anything else. Non. On dit nous renversons tous les raisonnements, manières de penser. Through all reasonings, all ways of thinking. Et tout hauteur qui veut se lever contre la volonté de Dieu. And every height that wants to rise against the will of God. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. And we bring every thought captive to the obedience of Christ. Le diable ne veut pas, c'est lui qui attaque. The devil doesn't want. He's the one who attacks. Mais Dieu t'a donné les armes. But God has given you the weapons. Il t'a donné les armes. He's given you the weapons. Pour mettre de côté celui qui veut empêcher que tu sois renouvelé. To put aside he who wants to prevent from you to be renewed. C'est Satan. It's Satan. Ne regarde pas les hommes. Don't look at men. Les hommes, il y a une manière de se comporter envers eux. Men, there's a way of behaving towards them. Mais c'est Satan qui est derrière. But it's Satan that's behind. La Bible dit aussi. The Bible also says. Que l'homme de Dieu. That the man of God. Doit être patient. Has to be patient. Afin que par l'enseignement. So that through teachings. Afin que il donne la repentance aux adversaires. So that it gives repentance to his adversaries. Revenu à la connaissance de la vérité. So that coming back to the knowledge of the truth. Il se dégage. Ouais, non, il arrive à leur bon sens. They end up to the good sense. C'est-à-dire manière de penser. It means a way of thinking. Manipulé par le diable. That is not manipulated by the devil. Et maintenant, ils se dégagent des pièges du diable. And then they remove themselves from the traps of the devil. Qui les a capturés pour le soumettre à sa volonté. Which has captured them to submit them to his will. Donc le diable, ce qui lui intéresse, c'est de prendre et de soumettre à sa volonté. So the devil, what is interested in is to take you and submit you to his will. Voilà by changing your way of thinking. This dans is why in churches on fait l'encadrement. Ah, c'est une solution. We're doing coaching. Encadrement. Coaching. Coaching. En Christ, ce n'est pas coaching. Donnez-moi un autre mot. Hein? Counseling, but counseling is too soft. Training is okay, but it's too soft. Encadrement, il faut protéger. Il y a protection dedans. Coaching? Ok, let's say coaching. Guidance also. Encadrement. Amen. La Bible dit quoi? The Bible says. L'apôtre, les apôtres, il y avait en acte 42, verset 2. In on dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. They said they were persevering in the teaching of the apostles. Comme la prophétie m'a dit. Like the prophecy said. Quand c'est dur, when it's hard, ils enseignent quand même. They teach still. Ils enseignent. They still teach. Ils enseignent. They still teach. Ils enseignent. They still teaching. Voilà pourquoi j'aime pas prier pour les gens qui sont possédés ou les gens que le diable attaque. I don't like to pray too much for people who are possessed or the or people that the devil attacks. Et qui refusent d'être enseignés. Who refuse to be taught. Ça c'est le problème. That's the problem. Parce que tu vas chasser leurs démons. Because you will cast out the demons. Les démons vont revenir. The demons will come back. Mais le cas n'est pas enseigné. But the guy is not taught. Qu'est-ce qui va arriver? What will happen? Les démons vont revenir dans sa vie encore. The demons will come back. Et ça va aggraver son cas. And it's going to worsen his case. You see that? On faut protéger. We need to protect. Insister dans l'enseignement. Insist in teaching. Insister dans l'enseignement. Insist in teachings. Bon, now. Maintenant. Il y a une chose qui s'est passée. There's something that happened. Allons-y prendre Ephésiens chapitre 18. Let's take Ephesians chapter 18. Chapitre 19, pardon. Chapter 19. Encadrement. Coaching. Dans l'encadrement, là, il y a l'exhortation. Il y a l'encouragement. This exhortation, this encouragement. Pour ne pas que quelqu'un soit l'ennemi empêche qu'il soit renouvelé dans son intelligence. So that the enemy doesn't prevent from someone to be renewed in his mind. Pendant que le pasteur prêche. While the pastor is preaching. Ou enseigne. Or teaching. Quelqu'un d'autre lui met le doute dans le cœur. Someone else put doubt in his heart. Ça arrête sa croissance. It stops his growth. Acte chapitre 19. Non, prenons acte. Let's take acte. Chapitre 19. Acte chapter 19. Je vais le lire moi-même rapidement. Acte chapitre 19.
Regardez ce qui va se passer. 19. Regardez ce qui va se passer. Look at what is going to happen. Regardez ce qui va se passer. Look at what's going to happen. À partir du verset 8. From verse 8. Checkez ça bien. Ne soyez pas distrait. Check it well. Do not be distracted. Parce que même la distraction là, c'est le diable qui fait ça. Even distraction is the devil who does that. Vous voulez pas que tu écoutes l'enseignement. For you not to listen to the teaching. Vous voulez pas que l'enseignement rentre dans ton cœur. So that the teaching doesn't enter your heart. Regardez. Watch. Verset 8. From verse 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Ça c'est verset 8 hein. That's verse 8. Non. Pendant trois mois. And he went into the synagogue and spoke badly for 3 months. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Reasoning and persuading concerning the things of the kingdom of God. S'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. But when he was hardened and did not believe, but spoke evil of the way before the Lord. Non, tu allais au détail, tu allais. But when some were hardened and did not believe. Mais comme quelqu'un restait endurci et incrédule, quelques-uns restaient endurcis et incrédules. C'est-à-dire endurci, c'est dur. But when some were hardened and did not believe. On lui parle, il est. He speak to him and he's. Il résiste contre la parole qu'on prêche. He resists against the word that is being preached. Incrédule, il veut même pas écouter. Il ne croit pas. He doesn't want to believe. He doesn't. Ça c'est quelques-uns. Listen. Parmi ceux que Paul enseignait, n'est-ce pas? Among those that Paul was teaching. Regardez ce qu'il va faire. Look at what he's going to do. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur. But spoke evil of the way before the multitude. Non seulement ils sont incrédules et plus not only they did not believe, mais ils empêchent les autres. But they're also preventing the others. Ils disent aux autres, ils vont contre la parole que le pasteur prêchait. They tell the others, they go against the word that the pastor was preaching. Dans leur causerie. In the talk. Dans leur comportement. In their behavior. Donc ils vont contre la parole. So they go against that word. Quand Paul a vu ça, when Paul saw that, qu'est-ce qu'il a fait? What did he do? On dit qu'il se retira d'eux et sépara les disciples. He departed from them and withdrew the disciples. Et enseigna chaque jour dans l'école d'un homme nommé Tyrannus. Cela dura deux ans. School of Tyrannus. Cela dura deux ans. And he continued for 2 years. En sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie et la Juive et la Juive, Juifs et Grecs entendit la parole du Seigneur. So that all who dwell in Asia heard the word of the Lord Jesus. Et à la suite, on dit, il se faisait des miracles. And following that, they say miracles were happening. Vous voyez ça? You see that? Donc Paul devait protéger certains. So Paul has to protect some. Il les protégeait les autres qui parlaient mal. He was protecting them from those that were speaking badly. L'encadrement. Coaching. L'exhortation. Exhortation. Ça, on est dans le contexte. That we're in the context. De ce qui, en comment le diable empêche le how the devil prevents the renewal of the mind. Si tu n'es pas renouvelé dans ton intelligence. If you're not renewed in your mind. Tu ne peux pas comprendre les voies de Dieu. You cannot understand the ways of God. Tu peux être né de nouveau. You may be born again. Et risquer même ton salut. And risk even your salvation. Risquer même ta prospérité selon Dieu. You even risk your prosperity according to God. Vous comprenez? Do you understand me? Bon. La Bible dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. The Bible says, bad company corrupts good morals. Donc, quand quelqu'un décrit la parole qui t'est prêchée, so when someone decries the word that is preached to you, qu'est-ce que tu fais? What do you do? Coupe! Cut ties. Éloigne-toi de la personne. And go away from that person. C'est ce que la Bible dit. That's what the Bible says. Est-ce que vous comprenez? Do you understand me? Non. Maintenant. Souvent la personne ne vient pas dire je n'aime pas ce qu'on a. The person doesn't come and say I don't like what was being preached. La personne ne peut pas dire ça. The person can say it like that. Je n'aime pas ce qu'on a prêché. I don't like what has been preached. Ça peut arriver. It may happen. Mais décrier là. But the crime. Mauvaise compagnie là. Bad company. C'est pas ça seulement. That's not only that. Vous voyez ce que ça peut être aussi? You see what it can be also? Toi tu dis, ah mon frère comment ça va? You say, oh my brother, how are you? Tu dis, oui ça va. Yes, I'm fine. Ah allons vous t'occuper, on s'en va. Well, let's go to the service, quick, we'll be late. Faut partir, moi je vais. Oh go, I'm going to rest. Ah!
La personne que tu as vue. The person that you've seen. Toi, tu es un nouveau chrétien. You are a new Christian. Tu as vu une personne. You've seen a person. Que tu vois dans le culte. That you see in service. Qui est avant toi. Who is before you, ahead of you. Tu lui dis, ah, courons au culte. You tell him, let's rush to service. Lui, il dit, non, lui, il est fatigué. And he tells you he's tired. He needs to go home. La parole de Dieu. And you see the word of God. Il dit, oh, and you say, oh, you just started. Là, la personne n'a pas parlé mal de. Yeah, the person didn't speak bad. Mais cette attitude là. But this behavior is going to destroy the faith of the other one. Il n'a pas parlé mal. He didn't speak evil. Mais l'attitude là. But the behavior. C'est une attitude pour casser le ciel. His behavior to break his deal. Souvent. Often. Ah, mais aujourd'hui l'enseignement était qui? Oh, today the teaching. De manière innocente. In an innocent manner. Et puis tu l'as vous. And you look at the person. La personne va dire, ah. And the person will say, ah. Mais qu'est-ce qui se passe? What's going on? Donc la personne commence à avoir un doute. So the person will start having a doubt. Sur l'enseignement qui est donné dans l'église. On the teaching that's given in the church. Et le cœur, ton cœur commence à être gâté. And your heart starts being messed up. À cause d'une attitude qui met en doute ce que tu as. Because of a behavior that puts in doubt what you've received. Donc la personne a combat qui? So who is the person fighting? Combat qui? Who is he combating? Moi? Me? Non. No. La parole de Dieu. The word of God. Pour détruire la foi de quelqu'un qui vient de commencer. To destroy the faith of someone who's just starting. Vous comprenez? Do you understand me? Mauvaise compagnie, c'est pas mauvaise parole seulement. Bad company, it's not only bad words. C'est une attitude qui provoque le doute dans ton zèle. It's a behavior that provokes doubt in your zeal. Quand toi, nouveau chrétien, when you are a new Christian, tu vas avancer. You want to go forward. Mais l'attitude de la personne, but the behavior of the person, te décourage. Discourages you. Faut couper ça. You have to cut with that. Amen. Repeat it to your neighbor. Bon. Ok. Écoutez-moi bien. Listen to me well. Écoutez-moi bien. Listen to me well. Tu es là. You hear. La personne est là. And the person is there. Bon. Ok. Vous êtes ensemble. You are together. Et ton attitude. And your behavior. N'arrange pas cette personne. Doesn't work for the person. Moi, I, renouvellement de l'intelligence, renewal of the mind, je dois prêcher ça. I have to preach it. Tu me dis pourquoi tu prêches ça? You tell me why are you preaching that? Si je ne prêche pas, but see, if I don't preach it, bon, je peux ne pas prêcher. I may not preach it. Et puis te donner le temps de changer. And give you time to change. Aujourd'hui, ton attitude n'est pas bonne. Today your behavior is not good. Donc dans 3 mois, so ou bien 6 mois, or 6 months. Ça va devenir bon. It will become good. N'est-ce pas? Right? Mais pendant tout ce temps-là. But during all this time. Et celui qui est près de toi. How about the person who's near you? Comment toi tu vas agir sur? How are you going to act on them? Avant que toi tu changes. Before you change. Lui il est déjà détruit dans sa. He's already destroyed in his faith. Et ton attitude aura affecté la croissance linéaire des chrétiens. And your behavior would have affected the linear growth of a Christian. Or la Bible dit celui qui n'assemble pas est Jésus. The Bible says he who doesn't gather with qui Jesus. Qui ne protège pas. Who doesn't protect. Qui ne garde pas. Who doesn't keep. Qu'est-ce qu'il fait? What does he do? Il disperse. He scatters. Ça c'est quoi? What is that? Si la personne était vraiment renouvelée dans son esprit. If the person was truly renewed in his mind. Ça là. That. Ce n'aurait ça serait pas ça. Ça peut ça n'aurait non. Ça il aurait non. Je veux pas entrer dans ça. No, I don't want to enter that. Je veux pas entrer dans ça. I don't want to enter into that. Quand on dit mauvaise mauvaise compagnie corrompt les bons morals. When we say bad companies corrupt good morals, it's not only for the pagans, it's also for the Christians. Alléluia. Amen. C'est pour les chrétiens aussi. It's for Christians also. Donc, mais ça peut changer. But it can change. Ça peut changer. It can change. Je veux que ça change. I want it to change. Regardez, mon objectif. Look, my goal. Le premier objectif. The first goal. C'est pour que tous ici là. Is that
all of us here, qu'on va quitter la terre, when we leave earth, on arrive au ciel, that le premier. We end up in heaven. Ça c'est le premier. That's the first. Donc je vais toujours te rappeler ce qui peut t'envoyer au ciel. So I'll always remind you of what can take you to heaven. Même si ça doit provoquer en toi, even if it has provoking you, un désarroi, ou bien ça doit provoquer une colère contre moi, a dismay or an anger against me, ou bien si tu dois arrêter de me donner dîme, or if you have to stop giving me tithes, je suis obligé de te parler. I'm obligated to speak to you. Parce que je sais que c'est pour ton bien. Because I know that it's for your good. Je t'assure, c'est ce que je veux. I assure you, this is what I want. Si c'est le contraire, if it's the contrary, tu dois fuir. You have to run away. Parce que là, là, because there, c'est une église qui peut avaler ton salut. It's a church that can swallow your salvation. Deuxième objectif. Second goal. C'est que it's that tu arrives à la destinée, dans ta destinée. You end up in your destiny. Tu accomplis ce pourquoi Dieu t'a créé. You accomplish what God has created you for. Je vais te provoquer pour ça. I will provoke you for that. Je vais t'encourager pour ça. I will encourage you for that. Et personne ne peut me dire le contraire ici. And no one can tell me the contrary here. On se connaît. We know each other. Et de trois, thirdly, il faut que toi aussi tu sois un canal par lequel Dieu touche d'autres personnes. You too have to be a channel through which God touches other people. Parce que un figuier qui donne pas, because a fig tree that doesn't produce la fruit, Bible dit, the Bible says, le maître, the master, de la figue, le maître, the master, de la figue, le master, maître du champ là, the master of the field, est venu, came, il a dit au vigneron, and he told the, coupe le figuier qui ne donne pas. Cut the fig tree that doesn't produce. Il ne produit pas le fruit. I've been waiting for a long time. It doesn't produce any fruit. C'est le vigneron là, qui est l'exemple du pasteur. Is the planter that is the example of the pastor? Non, le vigneron. The vigneron. Qui est l'exemple du pasteur. Who is the example of the pastor? Qui dit non, maître. Who says no, master? Donne-lui un peu de temps. Give him a little time. Je vais mettre de l'humus. I will put. Je vais mettre de l'engrais. I will put things. Et puis on va voir, va produire. The seed is going to produce. Et le maître dit, mais il faut and pas qu'il occupe inutilement l'espace. He doesn't have to use the space uselessly. Il dit non, je vais donner du temps. He said no, I'm going to give him time. Il dit bon, je reviens. He said okay, I'm coming back. Pour voir. To see. Vous comprenez? You understand donc, me? Troisième chose. The third thing. C'est ce que Dieu veut. It's what God wants. Tes fruits. Your fruits. Pour que tu produises aussi. For you to produce. Que too. Par toi d'autres soient sauvés. That through you others be saved. Que par toi d'autres soient encouragés. That through you others be encouraged. Que par toi d'autres soient redressés. That through you people. Que par toi d'autres soient protégés. That through you people be protected. Mais pas que par toi. Not that through you. Que les chrétiens soient découragés. That Christian be discouraged. Est-ce qu'on se comprend? Do we understand each other? Est-ce qu'on se comprend? Do we understand each other? Est-ce qu'on se comprend? Do we understand each other? Est-ce qu'on se comprend? Do we understand each other? Ça c'est la parole de Dieu. That's the word of God. Ce sont mes objectifs. Those are my goals. J'aurais bien aimé. I would have loved. D'ambiancer. To move you. Et je sais ce qui ambiance la foule. Because I know what moves the crowd. Oh, attention, je vois dans ta vie. Oh, non. I see in your je life. Je vois les millions. I see hey, frère, the millions. Tu seras béni. Oh, brother, oh je sens l'onction qui. I feel the anointing. Ça là. That, pardon, je ne fais pas ça ici. I don't do that here. Est-ce qu'on se comprend? Do we understand each other? Blague, tu es, je ne suis pas dans ça. I'm not into that. Excusez-moi, je ne comprends pas ça. Excuse me, I don't know that. Quand une parole sortira, when a word will come out, je la proclamerai clair. I will proclaim it clearly. Je te parlerai. I will speak to de you. De comment tu es béni. Of how you blessed. Je proclamerai des paroles sur toi. I will proclaim words on you. Je proclamerai des paroles d'encouragement. I will proclaim words of encouragement. Je ne veux pas compromettre mon intégrité par rapport but à toi. But I will not compromise my faith. Parce que my integrity. Le jour où tu vas te repentir sincèrement. Because the day you will sincerely repent, tu as dit non, ça c'est pas un bon pasteur. You will say, no, this is not a good pastor. Mais maintenant peut-être tu es fâché. But now maybe you mais le jour tu as te repentir sincèrement. But the way you will repent sincerely, tu as dit non, cet homme, c'est un homme de Dieu. This man is a true man of God. Mais toi aussi, but toi aussi, tu es chrétien solide. You're a solid Christian. Lève-toi et puis donne gloire à Dieu. And give glory to God. Changeons, on va aller devant. Let's change. We'll go ahead. Parce que Jésus-Christ a besoin de chacun de nous. Because Jesus Christ needs each one of us. Protège ta destinée. Protect your destiny.
Change ta manière de penser. Change your way of thinking. Pour penser comme Dieu. To think as God. Sois dans le dessein de l'Éternel. Be in the purpose of the Lord. Pour que tout concourt à ton bien. So that everything works for your good. Quel que soit ce qu'on te fait. No matter what is being done to Dieu you. Dieu va prendre ça au bien pour toi. God will take it good for you. Quel que soit ce qu'on te fera. No matter what will be done to Dieu you. Dieu va prendre ça pour te concourir à ton bien. God will use it to work for your good. Et développe le fruit de l'esprit. And develop the fruits of the spirit. Sois dans l'amour. Be in love. Sois dans la paix. Be in peace. Sois dans la joie. Be in joy. Sois dans la patience. Be in patience. Sois dans la foi. In faith. Sois dans la bonté. Be in goodness. La bienveillance. La maîtrise de soi. In self-control. Et le Saint-Esprit va travailler. And the Holy Spirit will work. Élevons la voix. Parlons au Seigneur. Let's raise our voice.